Donc je m'appelle Rigo Lorenzo, je suis coach sportif, je travaille à Paris, j'habite à Paris. Nazamo Anade Obrondo, artiste et musicien. Sport est nécessairement important dans la vie à Moutou. Alors, bah médecin tout à Moukili, bah oui, Sabino, monsieur, madame, Obela, Obelate. En fait, le sport, c'est, ça sert aussi de prévention. Exact. Zaka Théo, non, je fais du sport pour avoir des paquets, hein, comme on dit ici les, chez nous les Congolais, pour avoir des paquets. Ça, Babdo. Ouais, non. Là, vous avez un album. Ça, c'est côté esthétique. Voilà. C'est aussi important. Les objectifs à Moutou. Non, non, moi, je fais du sport pour. Nazala, Nanzo, t'as bien. Ok. Mais médecin, t'as un petit peu de sport, ils apposent un petit peu bien. Ils apposent un petit peu de sport, ils apposent bien. Le cœur fonctionne bien, les poumons, etc. Tous les organes, que ça fonctionne bien. Ok. Donc, le sport, oui, le sport, c'est la santé. Mais. Le sport entretient, le sport prévient des maladies cardiovasculaires. Koza la coach au Bandakiango depuis Bomwana to au Bandakiango na momani ne plus pas proclamé coach lelo. Alors, je suis coach sportif diplômé. Voilà. Les deux mentions, donc ma bite deux mentions, ça veut dire que fitness et cours collectif. Fitness et musculation. Voilà. Musculation, c'est quoi? C'est-à-dire, bah, je suis déjà capable, comme je suis là, de prendre et de t'emmener dans un physique par rapport à l'objectif. Et de te dire, Lorenzo, je vais perdre du ventre, je vais avoir des poitrines dessinées, etc., etc. Je suis capable de ça. Je suis capable aussi d'encadrer comme le 24 septembre avec les clients de tel Pullman. Nabino, bon, il y a un rendez-vous là. Nabino en charge, c'est-à-dire que vous avez 20, 30, 40 devant moi. De vous entraîner en groupe, c'est ce qu'on appelle de cours collectif. Voilà. Donc je suis diplômé dans ces deux zones là. Voilà. Et diplômé depuis 2018 déjà. Mais c'était facile pour travailler pour comment peut-être les lobos sans ventre et plus musculation et tout. En fait j'ai toujours fait du sport. Depuis bon moi dans la salle à sport, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, j'ai changé dans l'activité physique. La salle à balle, je fais du foot. J'ai fait du judo, j'ai fait du taekwondo, même du volleyball, même du hand. Donc chaque année ou bien chaque 2 ans, d'abord on changeait activité physique. Donc sportif depuis Beaumont. Ok. Le 24 septembre à l'hôtel Pullman où effectivement, alors c'est $30. Dans les $30, vous avez le petit déjeuner qui est compris. Oui. Hein? Donc venez avec l'envie de vous entraîner. Et surtout avec la faim. Parce qu'il y aura à manger. Hein. Donc après le sport, non. Après le sport, c'est conseillé de manger. Ok. Après le sport, c'est conseillé. Parce que tous les poids, hein, nous autres, nous faisons un midon. Ils ont un écota. Écota, ok. C'est ça en fait. Mais écota, il y a une propre. On habite au côté de la pizza, au côté de la McDo, au côté de la Kedan. Écota, c'est l'aura propre. Ok. Alors, pour les gens qui veulent, je sais pas, le billet sont vendus, il faut arriver seulement et puis ça va commencer de quelle heure à quelle heure précisément. Alors, le rendez-vous à l'hôtel Pullman est à 7h30, donc le 24 septembre à ce 7h30, samedi. Ce samedi-là. Okay. Rendez-vous autour de la piscine. Pour les personnes qui connaissent l'hôtel Pullman de Kinshasa, oui. Rendez-vous autour de la piscine à 7h30. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Ma kiepa eba ibinga mbongo. Mekada,
qu'est-ce qui se passe? Ça soubina bilamba. Dada, ma kama mbongo sala ngo awa. Na mona kaza ka loki dina yo tuno sa nini. O eza chance de transfert. Nina biembo onye so de. Nada agence ya transfert na nzela. Ah ba ki ekipe a tresté. Ese la uli kamba mbongo yebo ko. Ce n'est pas possible. Nada. Monye ngi na fimbo. Na pisi wa. Zera, permanent. O pisi tu mona pata ya ta efo. FBT Misalane Kazinjo. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend à laquelle où vous allez sur cette émission. Présenté par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barthi Baza. Grande majeure, Yorio Babino Boire, Bele Prinza, la Bétandoeke, Yarota, la Bissot de partout dans le monde, de partout ailleurs. Vérité plus plus, une émission à caractère socio-culturel, Oto Yammer Babino, invité de marque, analyse, et aujourd'hui, Tokyoti Namwanda Mborota Sport. Alors, aujourd'hui, nous aurons le grand plaisir de recevoir ce grand monsieur, ce grand coach, il nous vient depuis l'Europe. Azanabiso à Kinshasa, lui c'est le coach Lorenzo. Avec lui, Rigo Lorenzo. Avec lui, nous allons essayer de tout parler par rapport à Makambo Etali Sport, par rapport à Makambo Etali Physique, pour aller au sein de l'émission mon bangen événement à Wana Kinshasa. Alors, il est là derrière nos murs. Avant qu'il fasse son entrée, laissez-moi dire un grand merci. Nabadnyon Soborota Labiso, Bosamboka Yannick Chamba Godson, le patron Bogos, et pour avoir pensé aussi à. C'est lui qu'on appelle Jérusalem la merveille, moi la mamie, Julio Monamputu, Yaigot Kamazi depuis Montréal, mon papouche, clin d'œil spécial aussi. C'est lui qu'on appelle Jérusalem la merveille, moi la mamie, joyeux et heureux anniversaire à Yawili Moucheni, le véritable code à Mboka, le véritable code mondial. Et merci infiniment à Shekina Vumbi, Kitoko Petay, Gaël Fundumena. Gros bisous à toi. T'habites à Makengo de loin, je te fais aussi de gros bisous. Merci à Shekina Vumbi qui te repète et qui te repète de là. Je ne sais pas ceux qui coach à la disponible. Voilà, Arosa a déjà entraîné. Avec lui, nous allons essayer de parler. Bonjour coach. Bonjour, comment ça va? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va super bien aussi. Voilà, un mot gentil à toutes les personnes qui auront l'occasion de suivre cette émission de partout dans le monde. Alors, merci déjà pour ton invitation, Barézé. Oui. Je salue Tabitha. Merci beaucoup, Tabitha Makengo. Oui. Ici Gozali. Donc, de gros bisous à toi. Alors, du coup, pour cet événement, oui. On va en parler. Exactement. Mais on ne va pas rentrer directement dedans. Hein, oui, oui. On va apprendre à se connaître quand même. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, il y a de milliers de personnes. Il y a certaines qui te connaissent et certaines aussi qui sont peut-être pour une première fois. Bah, Moni, garçon, moi, boy, à télé, miazoloba. Bah, yé, bah, penda. Il s'agit de qui en fait? Alors, je m'appelle Rigo Lorenzo. Hein, voilà. Marisé, comme tu as dit. Mingo Talarabango. Donc, je m'appelle Rigo Lorenzo. Je suis coach sportif. Je travaille à Paris. J'habite à Paris. Nazamo Nade Obrongo, artiste musicien. Boroye, so, oh, bah, yé, biba, oh, bah, yé, bah. On va botter Nicolas Baroy et Baté. C'est ça, c'est ça. Banalelo. Banalelo, Baroy et Baté. Donc voilà. Coach sportif, Nesco vacances na Kin. Boule Nanga, ils aillent na sala, na ma grand hôtel, il y a un monde, na Congo. Mais ma réponse on a vu, c'est que si on y est au Sali, le problème est na monté. Mais au Kendende. Donc, tu sais, qu'est-ce que c'est la posa moro boe. Voilà. Yango. Tout le monde a un événement mort. Tout est assis, on remet ma bateau. Tout est assis, événement, on a épais ça. Ou bien, donc, il y a un mot Pullman. Pullman a permis d'avoir un événement en Bango. Okay. Donc, le 24 septembre,
événement sportif à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Voilà. Toko m'apprenza wana, mais to beta moi le solo ndambo. Le kambo sport en haut, le lo batte belé, bazoko ma ba minene, musu bazoko nda, na ebite. Sport est nécessairement important na vie en moto. Alors, ba médecin tout ya mokili ba sabi non, monsieur, madame, ose obela, obelate. En fait, le sport c'est ça sert aussi de prévention. Exact. Zaka Théo, non, je fais du sport pour avoir des paquets, hein, comme on dit ici les, chez nous les Congolais, pour avoir des paquets. Babdo, ouais, non. Là, vous avez un boumouté. Ça, c'est côté esthétique. Voilà. C'est aussi important. Ça, objectif en moto. Non, moi, je fais du sport pour. Nazala, la nzo, t'as bien. Ok. Mais médecin, t'as un tino, ça, la sport, et ça pose la nzo, t'as bien. Et ça, pour la katina, et t'as un bien. Le cœur fonctionne bien, les poumons, etc., tous les organes, que ça fonctionne bien. Ok. Donc, le sport, oui, le sport, c'est la santé. Mais. Le sport entretient, le sport prévient des maladies cardiovasculaires. Pour couper court, faites du sport, mangez sainement et vous aurez une meilleure vie. Voilà. Est-il toujours important, là, moi, si dans mon bal, il faut car normalement passer à un sport. Oui, les avants recommandé. Moi, je vais recommander à tout le monde de faire du sport. Au-delà de faire du sport, il y a ce qu'on appelle l'alimentation. Voilà. Nous les Congolais on mange gras, les Africains en général on mange gras. Alors voici un petit conseil, ça veut dire que par exemple, banane plantain, makemba, ça makemba, oui. Donc au lieu de les faire frits, on les fait à l'eau, on dit comme on dit en Europe à la vapeur. Voilà. Donc moi il y a makemba mais il y a frité. Kokalinga, je préfère pareil toujours à la vapeur. Donc la longue là, sauce, ketchup, sucré, donc tout ce qu'on connaît chez nous les Congolais, na vitarango. Je bois pas d'alcool, voire pratiquement pas, peut-être dans les fêtes, événements occasionnels. Donc en gros, pour avoir une meilleure santé, oui, il y a le sport, mais il y a aussi l'alimentation. Kolia Yamoto, c'est 80%, il y a résultat physique Yamoto. Voilà. Voilà, donc collier à moto, ça prend 80% un résultat physique à moto. Mais les lots et au coach, la plupart des gens, surtout les Congolais, la majorité, sont sportifs. Ils sont sportifs, ils sont tellement oculaires. Na banda na kota sa la gym, mais la monika ba physique le ki makasi na kimi. Ba tout net ya bongo net ba biso boyo ba ki maka bandi ya kimi pour ba physique le ki makasi. Ba rosa andeni pour ba maintenir car. Ba rezi, oui bi et l'or au bateau, c'est un sport. Et ça, tu as l'ingité. Et ça, l'objectif, c'est se focaliser. Et ça, trop élevé. Voilà. C'est-à-dire, on a un débutant. Deux, peut-être, un surpoids. Ou bien, l'obésité, mon robot. Et tu te challenges. Là, bateau, c'est un sport déjà depuis longtemps. Okay. Et puis, c'est au Landangan. Oui, non. C'est-à-dire, Barézi, si on a un Lorenzo, on a la fitness. Non, ça la sport bah poids non mais il faut l'ingomi mang bon côté mais surtout tu te demandes 1 kg, 10 kg, voilà. Si tu comme 100 et quelques kilos, c'est normal. Donc il y a aussi comme bakata na po balingi ba c'est comparé là bato ba ça déjà soit ta bandika c'est quoi ni maman comme le roi Lorenzo 20 kg non bandana ba 1 2 3 kg c'est normal. Faut nous te mesana après ils ont comme objectif. Voilà, personne objectif, c'est à dire moi, au lieu de 3 mois, peut-être objectif, non, là, peut-être je me sens bien, juste te sentir bien, et ça, objectif. Là, je me sens bien. Et puis, au moins, là, au fur et à mesure, on sait la sport, on sait les lingas sport. On reprend. Donc voilà, faites du sport, prenez votre temps, et surtout le temps, prenez votre temps. Voilà. Vous avez précédé parce que vous êtes au Katam. Vous allez vous arrêter. On parle en lingala français, ça va? Le mélange, vous êtes congolais, donc lingala français, tout ça, on a toujours pas de cas. Voilà, mais le lo oyo. Na bateau déjà à Monique, on va peut-être atteindre déjà plus de 100 kilos. Ah, attends, ça, c'est pas on a reconnu la ratée, comment on a rendu mon aîné. Pour ça, on a conduit tout ça à bord le bac, on a commis un sida, Tony Nino, conseil, on est signé. Non, ça, c'est des on-dit. Ça, c'est des on-dit. Restez focalisé sur votre objectif. Si vous n'arrivez plus à progresser, voilà. C'est-à-dire, vous vous entraînez seul. Ok, normal, tu vas tout seul, tu sais à peu près quoi faire. Au bout d'un moment, comme on a point moroboyé où tu ne progresses plus. Il y a moi, on a dit, j'avais fatigué à l'angaï, j'arrive plus à progresser. Il y a moi, ce que vous dites, nous les coachs, on est important. Voilà. C'est-à-dire, nous, on va vous emmener un peu plus loin.
Il y en a, tu vois, vous aider à sortir de votre zone de confort, on appelle ça. Hein. Exact. C'est-à-dire, vous en avez bien. Mais, donc, Tindiko Azate, Pokémon. C'est-à-dire, il y a des mouvements, il y a des séries. Donc, lorsque tu t'entraînes, au petit cas, peut-être, ça, peut-être 10 répétitions. Mais peut-être que coach, poussé au SATA 11 ou bien 12. Ok. Bola Mouka, merci beaucoup. Voilà, Bola Mouka, merci beaucoup. Mais, Lelo Oyo, Batu Bele. Il faut base à la wana le 24. Kozala coach au Bandakiango depuis bon mwana to au Bandakiango na moment ni ne plus va proclamer coach lelo. Alors, je suis coach sportif diplômé. Voilà, les deux mentions dans ma bah, deux mentions, ça veut dire que fitness et cours collectif. Fitness et musculation. Voilà. Musculation c'est quoi? C'est-à-dire barrer déjà capable comme je suis là de prendre et t'emmener dans un physique par rapport à objectif Nao. Et de se dire, Lorenzo, je vais perdre du ventre, je vais avoir des poitrines dessinées, etc. etc. Je suis capable de ça. Je suis capable aussi d'encadrer comme le 24 septembre avec les clients de tel Pullman. Nabino, Boyan a rendez-vous en Nabino en charge, c'est-à-dire que vous avez 20, 30, 40 devant moi de vous entraîner en groupe. C'est ce qu'on appelle le cours collectif. Voilà. Donc je suis diplômé dans ces deux zones-là. Voilà. Et diplômé depuis 2018 déjà. Mais c'était facile pour travailler pour comment peut-être le lobo et sans ventre et plus musculation et tout. En fait, j'ai toujours fait du sport. Depuis bon mois, dans la salle à sport, c'est-à-dire tous les 2-3 ans, on a changé dans l'activité physique. Dans la salle à football, on a bêta balé. J'ai fait du foot. J'ai fait du judo, j'ai fait du taekwondo, même du volleyball, même du hand. Donc chaque année ou bien chaque 2 ans d'abandon changer activité physique. Donc sportif depuis bon moment. Ok. Et physique, c'est-à-dire physique à mon tout. Donc, comme tu me vois ici, la salle est montée il y a 6 mois passés. Donc c'est-à-dire que ça déjà n'a. C'est-à-dire, Lelo, si je m'arrête de faire du sport, dans 3 mois, 4 mois au moins, on aura peut-être un fond ami. Tu vois, je pense que vous voyez les anciens sportifs. Ronaldo, même bientôt, il y a quelques mois, Samuel Eto'o, il vient d'arrêter le foot. Quand tu regardes les photos de Samuel Eto'o de maintenant, l'année dernière ou il y a 2 ans, physiquement, c'est plus la même personne parce qu'il arrête complètement de faire du sport. Donc, n'arrêtez pas de faire du sport. Si vous arrivez à un moment où ça devient très dur, c'est normal, il y a la fatigue. Voilà. Donc, reposez-vous, diminuez l'intensité. Donc, l'intensité, c'est vraiment très important, Barès. Voilà. Mais là, tu me dis, Zota, là, peut-être, Razan, la Mako, quitter, on fout à 30 dollars, on a pour aller au salon. À participer à un événement, toi c'est un sport, on a vu ensemble. On a habité ma technique, nous groupe, c'est là que tu un gros ventre. Il bon, on ça, ça là, exercice pour peut-être pendant autant de heures, au moins, on a dit, au salon, pendant autant de périodes, au moins, on a fait moi, changement et quoi. Alors, Moutou, on a, comme tu as dit, un peu de ventre. Oui. Alors, on dit un peu de ventre, on te l'aura en surpoids. En surpoids, oui. Au médecin, à t'allier, à vous dire, non, monsieur, madame, vous êtes en surpoids. Conseil au moins en paix ça. Déjà, alimentation. Parce que le poids que la personne a aujourd'hui, à Zion, il y a un mois passé. À Zion, peut-être il y a 6 mois, 1 an, 2 ans déjà. Ça. Lifestyle, na, donc, style de vie, na, ND, moutou, dégradé, puis moutou, zub, poids. Parce que on en a. Donc, hygiène de vie. Donc, Zongela, hygiène de vie. Si quand le mot la bleu, on a lié depuis 2 mois déjà, depuis 6 mois ou. On a eu le confinement qui vient de passer là, pendant 1 an et demi, 2 ans, donc il y avait un peu, on restait à la maison. Il y a des gens qui ont stressé, le stress, ça veut prendre du poids, c'est, ouais, tu vois. Et donc du coup, le conseil que moi je donnerais aux personnes qui n'ont pas les moyens de prendre un coach sportif, ou bien de venir à l'événement le 24 septembre à l'hôtel Pullman pour 30 dollars, je leur dirais la nourriture. Déjà, premièrement, l'alimentation, ça c'est la base. Olingo comme on a des muscles, olingo diminuer poids, les a base c'est l'alimentation. Donc voilà, alimentation au coach faut préciser bien. Qu'éviter net. Alors, qu'éviter bah sucre, qu'éviter bah aliments transformés. C'est-à-dire à toi la Congo, mais par rapport à Paris, on va dire l'Europe, McDo, pizza, le retour les a aux gras. C'est bon hein, mais c'est-à-dire autant aux oliang, c'est-à-dire dans ton corps et sur le bien teint et sur le bien teint, c'est au fond, au comment mener. Oui, mais c'est bon, on a une minute. Pour rester un peu plus terre à terre, en général, je vais vous dire enlever les gras, manger moins gras, manger moins sucré, manger.
manger varié. Manger trop salé. Justement, non. Un peu salé. Enlever le sucre. Sucre. Enlever le gras. Oui. Enlever le sel. Ok. Bon, mais la némaï, ming, repos, activité physique, comme on a dit. Parce que si vous faites du sport, si vous, vous réglez votre alimentation, c'est-à-dire, ok, coach, ça fait un an, deux ans, je mange proprement. C'est-à-dire que ton corps, maintenant, il s'est équilibré. Ok. Tu as perdu du poids, sûrement. Mais maintenant, il faut muscler. Vous voyez, il y a des émissions qui se passent aux États-Unis, hein, au Moni Moutouza, mon néné, à Kondi, au Posoana, tout. Chirurgie esthétique, tout ça, tout ça. Parce que maintenant, moi, je vais conseiller aux personnes, quand, pendant que vous êtes en train de régler votre alimentation, bon, c'est la sport en même temps. Ok. Donc, aux autres qui étaient certains, par rapport à l'objectif. Et puis, aux autres, après sport, ils ont appelé sport. Voilà, ils ont affermir nous autres en même temps. Au lieu de faire uniquement régime alimentaire strict, je mange pas, etc., etc., oui, tu vas perdre, ça c'est sûr et certain. Mais c'est quoi, vous avez d'autres au limba, etc., etc. Et le sport va t'aider à tonifier tout ça. Voilà. Merci beaucoup, coach Lorraine Lotori. Je suis déjà malin, mais la chute. Mais le lot, coach, comment ma victime, il y a Robin, ça peut être ma balle à battre. Surtout, ma coach. Il y a des questions, mon aura, à côté. Coach, vous avez un beau gars, vous avez un bon physique. Si vous avez un bon sport, moi, c'est un bateau à l'Ibala et tout. Et puis, ma position, je suis tout le monde. Coach, a pendu ma colonne, moi, c'est un bateau à l'Ibala. Tout ça, là, c'est un bateau à l'Ibala. Je suis un sport à l'Ibala. Voilà. Donc. Et puis on a la ligne à Gia Bongoté. On ligne à la française, ça va. Voilà. Gia Bongoté, oui, et les qui. Ça veut dire que. Avant de. Déjà, moi personnellement, à Paris, si une personne veut travailler avec moi, pour une heure, c'est entre 60 et 80 euros l'heure. Donc le coaching. Donc, dans la ligne à Ténabeb, ça me sert à un. Donc, c'est-à-dire, on a une cliente, on a moi aussi, et puis on a peur de monde. Alors moi je préfère vraiment Natsa mon salaire moi libosso. Voilà. Et Yelanga et Bouzoba. Et Yelanga, comme je suis victime de, comme tu as dit, les coachs. Non bah fibre va c'est du ça, on peut pas aller. Oui. Mais Natsa en gros, c'est-à-dire que la cliente, mais le client, au Yeli Nini, est-ce que Yeli Boulot ou bien au Yeli Ngaï? Et les filles me disent non, Yelio, parce que voilà, je t'ai vu dans le réseau, tu es beau, et voilà, je veux m'approcher de toi, enfin bref, où je cherchais comment m'approcher de toi. Et parce que dans le monde, comme tu es coach, tu as besoin d'un coach. Mais. Je suis coach de sport, mais. Voilà. Je suis le système des. Yo Penza. Mais voilà, donc moi je mets franchement toutes ces choses-là de côté, à préférer un boulot. Ok. Ouais. Mais quand même, le père, mon père, un petit souci, là, mon bal, il y a moi, si mon gars, il y a un sport, il n'y a pas d'ailleurs. Et puis, mon bal, on a remonté ça, il y a un problème, genre que. Moi, c'est un gars et tout. Personnellement, non. Ouais. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est la jeune femme, donc la cliente, donc le contact sur le réseau, hein, je vais travailler avec toi, etc., etc. Je dis, ouais, pas de problème. Et du coup, la jeune femme dit, je vais demander d'abord à mon copain. Donc, elle envoie mes photos, mes vidéos à son copain et le copain dit non, lui non. Maman, on a appris le coach. Ok, à Bangui. Maman, on a appris le coach, mais il était. Voilà. Bon, ok, je dis même, si c'est il a peur, hein, c'est ça en fait, c'est la jalousie un peu. Hein. Mais ramène ton copain avec toi. C'est ça la solution. Assiste en bas séance. Au-delà de assister, qu'il fasse du sport avec toi. Ce que je conseille aussi aux personnes qui n'ont pas forcément une envie, mais une motivation, c'est d'entrer dans un groupe, mais de faire du sport en groupe. En groupe, oui. À deux, à trois, ça motive. Voilà, donc, si vous n'êtes pas vraiment motivé, trouvez un ami, hein, comme on dit, un partenaire d'entraînement, trouvez un ami, une copine, et allez vous entraîner ensemble. Mais allez vous entraîner vraiment ensemble. Donc, voilà, oui, ça m'est arrivé, mais voilà, moi, c'est là, les bossons. Les clientes, qui n'ont pas de clientes, non. Je résiste. 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 Je rés
Ils ont résisté. À Kinshasa, j'en vois tous les jours. Il y a des très belles femmes à Kinshasa. Mm. Mais et je suis à l'hôtel Pullman, donc si je fais n'importe quoi, il y a déjà le nom qui va s'abîmer. Ouais. On va oublier que t'es compétent. On va oublier ça. On va dire coach en coach, t'as Kenana, ma cliente, donc c'est. Mm. C'est dégradant. L'image, non, je protège mon image vraiment. L'image. Boulonde. Voilà. Boulonde, là, c'est bien. Donc, je vous invite ce 24. Donc, yom tota la vidéo. Oh, lelo. Le 24, bisous, tu n'as hôtel Pullman pour Ngababi. Na minute à Moukie, le Boumoro Kita. Pour nous, on a physiquement, on a somme. Dans, on a dégraissé le Boumoro Kita. On a encore appelé le roi coach. D'accord, coach, à ce cas. On a son bêtis, boy. Les amours en dame. Nicolas, on lira ma foufou. Là, on a changé. On va le lire à ma pomme. Donc voilà coach, mais la moto là t'as mis là en masanga. Epic Samia. Alors, l'alcool est déconseillé. Hein. Mm. J'entends les sportifs de très haut niveau, après une grande compétition, ils boivent une petite bière. Mm. C'est une bière de temps en temps. Parce que même fumer, hein, les sportifs fument, les sportifs boivent. Mais c'est de temps en temps. C'est-à-dire tous les jours, ils ne fument pas, tous les jours ils ne boivent pas. Mais en général, l'alcool est déconseillé. Pour le sport en général, hein, tout est sport, hein, c'est-à-dire mmh. on ça la sport. Et Peke Samy, c'est déconseillé de fumer, de boire. Okay. Parce que sport, pour moi, hein, le sport c'est un état d'esprit. Il mmh. faut être le style de vie. Il faut être comme vie, non quoi. C'est-à-dire dans que la semaine, au programme. Au sport, on a 4 programmes dans la semaine. Lundi ou bien vendredi, 2 à 3 fois par semaine, il faut faire le sport. Faut un programme dans la semaine. Mmh. Voilà. Et puis bateau, bah ça la carte sport pour préparer été. Hein. Oh, je fais attends 2 mois en avance à côté ça à Kemba ou bien Kitsama pour on a été. Ça aussi hein, je déconseille parce que c'est-à-dire au salaboué. Yo okay. Hein. On dit au communé, c'est pas vraiment c'est pas idéal pour garder une bonne santé. OK. Mais prendre l'alcool ou on est à côté bah bière ou soit bah whisky pesa ma pour la moto ça fait sport. Alors, je mets alcool en général. En général, là, whisky, non, l'alcool en général est déconseillé. Ok. Il est déconseillé. Mmh. Une fois aussi, hein, ça abîme. Parce que dans. Mais le médecin nous dit aussi un peu d'alcool, c'est bien pour la santé aussi. De temps en temps. Mmh. Ça, j'ai dit, il y a des sportifs. Qui je connais des sportifs aussi, qui prennent de l'alcool. Mmh. Mais ils prennent de l'alcool, peut-être. Et ils ont gagné la Ligue des Champions. Ah, ils vont fêter, ils prennent de l'alcool. Ouais. Voilà, dans ce sens-là. Mais c'est pas leur mode de vie. C'est pas en leur fait. Mode de vie. Ok. Parce que quand tu. Comment je peux dire ça? Que ce soit l'alcool, la cigarette, la drogue, peu importe, ça vous dévie un petit peu de votre comportement. Ok. Si l'alcool était vraiment autorisé, bah, tout le monde, on durait tous sous. Mais coach, question de curiosité, pour toi, comme déjà presque un souk, bah, tout ça, bah, il y a du travail. Après le travail, il y a, on dirait, il y aura à manger, dîner, déjeuner, je sais pas. Est-ce que les appels des conseillers, tu vas bosser ce sport et puis que vous lire sur Babylon à ma case, ma croissant, ou Tony Saralissus? Pour le 24, hein, là on parle pour le 24. Du 24 oui. Septembre à l'hôtel Pullman, où effectivement, alors c'est 30$. Dans les 30$, vous avez le petit déjeuner qui est compris. Oui. Hein. Donc venez avec l'envie de vous entraîner et surtout avec la faim. Parce qu'il y aura à manger. Hein. Donc après le sport, non. Après le sport, c'est conseillé de manger. Ok. Après le sport, c'est conseillé parce que tous les poids, hein, les autres, moi, ils font moins mis dans les océans avec Ekota. Ekota, ok. C'est ça en fait. Mais Ekota, il y a une propre. Habite au côté de la pizza, au côté de la McDo, au côté de la Kedan. Ekota, ça l'aura propre. Ok. Voilà, on est ce que nous autres, et fonctionner correctement. Voilà. Oui. Voilà, maintenant, nous autres, fonctionner correctement. Alors, pour les gens qui veulent, je sais pas, le billet sont vendus, il faut arriver seulement, et puis ça va commencer de quelle heure à quelle heure précisément. Alors, le rendez-vous à l'hôtel Pullman est à 7h30, donc le 24 septembre à 7h30, ce samedi-là. Okay. Rendez-vous autour de la piscine. Pour voilà. Les personnes qui connaissent l'hôtel Pullman de Kinshasa, oui. Rendez-vous autour de la piscine à 7h30. Okay. Venez habiller ou bien avec votre sac de sport à côté, parce que nous avons des vestiaires, vous pouvez vous changer directement. Il y a des douches, si vous voulez vous laver. Après l'événement, donc, à partir de 7h30, les activités vont commencer à 8h. Okay. Les activités commencent à 8h. En espérant que tout le monde arrive à l'heure. Voilà, c'est ça, ça parce que les Congolais aussi. En espérant que tout le monde arrive que à l'heure. Le week-end aussi, les embouteillages, ben, espérant que les gens arrivent à l'heure. Voilà. C'est pour ça que c'est le matin, parce que normalement le matin ça va. Le samedi matin, non, ça roule un peu à Kinshasa. Ouais. Donc le samedi matin, à 7h30, rendez-vous. Donc on a une demi-heure pour récolter un peu vos sous, hein, c'est ça. Hein, vos sous, le temps de vous changer, vous préparer.
et les activités commencent à 8h. Donc vous aurez, pour les personnes qui aiment danser, il y aura de la Zumba, hein, donc tu vas sauter et danser de tous les côtés en transpirant. Ça va être magnifique. Voilà. Et pour les personnes qui viennent pour faire du physique, comme tu as dit, il y aura des circuits training, un cours collectif. Je veux m'en occuper, donc venez, venez, venez nombreux le 24 septembre à l'hôtel Pullman. Je serai là, Barézé sera là, il y aura des personnalités incroyables, des, même des TikTokers, des personnes que vous avez envie de voir. Voilà. Venez à l'hôtel Pullman samedi 24. C'est aussi un lieu de rencontre. Voilà. Profitez aussi, faire des connaissances avec des gens. Voilà, venez, venez rencontrer. Faire des photos aussi, de personnalités, de stars. Donc, venez nombreux. Et je dis toujours, le sport, l'activité, ou bien le monde du sport, c'est un lieu c'est sociable. Hein. Voilà. C'est-à-dire, on se rencontre. Y a et on se familiarise directement. On, voilà. On apprend à se connaître, puis on crée des liens. Voilà. On s'appelle plus tard, on va manger, boire un verre, et puis d'une discussion à une autre, ben, un projet peut sortir. Voilà. Donc, venez avec vos ambitions, venez avec l'envie déjà de vous entraîner déjà, hein. Et venez aussi avec un peu faim parce qu'il y aura à manger. Voilà, merci beaucoup. Et pour le billet, ils doivent venir acheter seulement ici. Venez directement avec vos 30 dollars. Avec les 30 dollars, voilà, vous allez acheter. Sinon, sur place. Sinon, en dessous de l'affiche, ouais. Vous avez le numéro de réservation, vous avez l'adresse email. Vous pouvez les contacter, leur demander où est-ce que vous pouvez payer. Mais sinon, venez directement le 24 septembre, 7h30 à l'hôtel Pullman, et puis on va vous diriger pour payer. Merci beaucoup, coach Rigo Lorenzo. Voilà, c'est par ici que nous allons mettre un point final pour l'émission d'aujourd'hui. J'espère que toute personne, ou à Talibiso de partout, nous sommes là le 24, c'est 24, une seule date, le 24 septembre à l'hôtel Pullman de Kinshasa. Venez nombreux avec vos 30 dollars, vous allez faire du sport, vous allez manger après le sport. C'est normal, on doit manger comme vient de le dire notre coach Rigo Lorenzo. Je ne sais pas, il y aura un numéro de contact, peut-être s'il y a des gens qui se sont perdus, que vous voulez contacter. Alors, tout est sur l'affiche. Voilà. Donc, au niveau de la réservation, donc, l'affiche on mettra après, je pense. Ok. Dans la bande orange, les personnes font une capture, il y a le numéro de contact et l'adresse email. Contactez, appelez, n'hésitez pas à appeler. Si vous êtes perdu le jour même, appelez-moi. appelez-moi voilà. Directement. Oui. Allez sur mon Instagram, Rigo Lorenzo. Allez sur mon TikTok, Rigo Lorenzo. Voilà. Et puis contactez-nous, on va vous diriger. Voilà, merci beaucoup. Le mot de la fin pour aujourd'hui est quelle dédicace? Alors, le mot de la fin, le sport, mesdames et messieurs, le sport est un état d'esprit. Oui. Le sport est un style de vie. Faites du sport, mangez sainement, enlevez le sucre. Enlevez le sel, enlevez le gras et mangez varié. Ne mangez pas toujours la même chose. Dieu t'a aimé ça, non? Mangez varié. Légumes. De temps en temps, tu peux faire un cure de légumes. Tu manges pendant une semaine, deux semaines, tu manges que des légumes, par exemple. Ou tu enlèves la viande. Donc, essayez de varier. Parce que si je vous dis aujourd'hui, tout le monde doit manger des carottes, alors que peut-être tu n'aimes pas les carottes. Voilà, donc, surtout ça aussi. L'alimentation, la nutrition, c'est propre à chacun. C'est pour ça qu'il y a des professionnels, il y a des nutritionnistes, il y a des diététiciens. C'est-à-dire que Moutouna Moutoufou a habillé Inaï. Voilà. Donc, mangez varié en général, mangez sainement. Et puis, rajoutez l'activité physique à côté. Et puis, vous serez en bonne santé. Voilà. Je passe le bonjour, je passe le salam, comme on dit, à mon ami Tabitha Makengo, là où tu es. Des gros bisous à toi. Chimène Mengi. Oli Lokusa, merci beaucoup. Et à toutes les personnes qui encouragent le projet. Merci, merci, merci. Voilà, c'est fini? Bah comme oui, dédicace. Je t'en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Rigo Lorenzo. Voilà, nous on vous prend congé, c'est par ici que nous mettons un point final. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques, les suggestions. Soyopo Bungi, moi-même je serai là. Appelez-moi à mon numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Je vais vous indiquer parce que moi aussi je viendrai faire du sport. Alors je vais travailler comme pas possible. C'est de 8h à quelle heure? Alors, rendez-vous 7h30 et dites-vous à midi, tout est terminé. Est fini. Ah, rendez-vous 7h30 le 24 septembre à l'hôtel Pullman. Midi, normalement, tout est terminé. Il y a d'autres personnes qui me posent la question. Après faire du sport et tout, on pourra encore rajouter encore le sport de la natation. Profiter d'aller nager à la piscine. Profiter de la piscine de Pullman. Oui. Là, ça me crée des problèmes. J'ai pas mis ça dans le... C'est ça. J'ai pas mis ça. Parce qu'il y aura d'autres personnes, après avoir fini de faire le sport, et puis vous voulez faire encore la natation.
on s'organisera un autre événement où on mettra la piscine à l'intérieur. Mais pour cet événement-là, on va vraiment se concentrer sur l'amusement, les dépenses caloriques et le petit amusement, le petit chill, comme on dit. Hein, oui, oui. Manger juste à côté derrière. D'accord. Merci beaucoup, coach. Et bonne chance, bon vent. Merci beaucoup. Voilà. Merci. À nous revoir ce 24 septembre à 7h30, 8h. Nous commençons déjà avec le sport. D'ici là, portez-vous bien. Et merci à Papa Chris Aigle, Motema Mama Joyce Aigle depuis les États-Unis d'Amérique. Merci à Papa Paul Fikipo, Motema Mama Nathalie Fikipo. Merci à tout le monde. On a déjà Libumunazo Banda déjà dans Rizara et Kita déjà. Donc nous allons travailler en cascade. Venez nombreux, donc $30 seulement et tout va bien se passer. Portez-vous bien et restez connectés sur Exemple Télévision. On vous aime. Bye bye. Yasika Eyumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Numéro 5 entre Djamena na Kambo. Il y a conseil et ça gratuit. Au moins, ma camba batante là. Bon, tu qui la batante là. Mais ma camba transfère en bongo. Toi, tu qui l'ango FBT. Misalane Kazinjo. Soko tché. Bazoui. Bazoui. Soki pa gona bache. Bache. Bazoui. Bazoui. Akaka. On sait jamais. Yama mimi. Tokye. Yeah.
bazako bine la bango, bazako kumi sabango, yangonga na poni na yemeli mo keli nanga ye, uya sala ya minene na bomo inanga siki sanga mabe, ashanja bomo inanga lolenge akozala nga sae. Sumunanga e komi lokolangola e tambe e na bomoye e yondo ni misa kanga peo petola kangai tina nini na tikandela na yo nakolanda seyo kino suka ya bomoy nanga sunga bomoy nanga yawe tambo sanga nanzela ya semo. Yona papa bozali moko salete yonangai toko mamoko oh. Yeah 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 nazala mukanda yoko mama komi na luyimbo nanga bato basuwa bomo ndabiloko yonde mungwa yopesanga sava papa inondinga daikoni yomoto papa pelisanga uzama inebe na pusa papa tula jenga mwala mpate aleluya zambi na pomo pembo nanga Sala na kasi.
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça, Péric Boy. Il faut vous abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi, vous abonnez, belé, la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Gaïa, ne toyo karabe exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire à nous autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de. Des conneries, il n'y a pas de. C'est vraiment. Il y a pas de lignée, il y a pas de. C'est là. Pour son ami, son union, son souci, MMA. Barézi, basse, un abisson. Oh, Barézi, basse. Exemple TV qui toque, rien à dire.